Alors bonjour, je suis Patricia L'Excellent et je vais prendre la direction du réseau Initiative France le 1er juillet prochain. Et avant de prendre mes fonctions, j'ai souhaité faire un tour de France et aller à la rencontre des différentes plateformes et des coordinations régionales du réseau. Alors le réseau Initiative France, eh bien, c'est le premier réseau associatif d'accompagnement à la création d'entreprises grâce à la mobilisation de 214 plateformes très ancrées sur leur territoire, de 20 000 bénévoles et 1 000 salariés qui sont aux côtés des entrepreneurs pour les accompagner et les financer, à la fois avec un prêt d'honneur qui fait effet de levier auprès des banques, en création, en reprise et en développement. Alors nos projets pour l'avenir, eh bien c'est dans la continuité vraiment de la mission du réseau, puisque c'est d'accompagner tous les entrepreneurs, que chacun puisse entreprendre sur tous les territoires, quelle que soit sa situation. Et donc c'est pour accompagner les jeunes, les demandeurs d'emploi, les femmes, dans des territoires ruraux ou dans des quartiers prioritaires de la ville. Donc pour servir vraiment la dynamique de tous nos territoires français. Alors j'ai le plaisir d'être arrogée aujourd'hui pour participer à l'Assemblée Générale de la Coordination Régionale des Pays de la Loire qui regroupe 11 plateformes et donc ça fait partie de mon tour de France pour rencontrer les plateformes de ce territoire, les bénévoles et les salariés qui se mobilisent au quotidien au bénéfice de nos entrepreneurs. Alors moi je voudrais dire aux entrepreneurs qu'en fait, tout le monde peut agir aujourd'hui dans le cadre de la relance. Quand on a une idée, un projet, il faut oser. Il faut se faire accompagner, donc il faut venir à la rencontre du réseau, de ses bénévoles et des salariés pour bénéficier de leur regard bienveillant, mais très professionnel sur les projets. Et puis on a aussi besoin des chefs d'entreprise, hommes ou femmes, pour devenir bénévoles dans le réseau, parce que tout ça n'est possible que parce qu'il y a une vraie communauté qui agit sur les territoires et donc j'incite tout le monde à devenir bénévole au sein du réseau.